Yo tout le monde, c'est Risma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il n'y a aucun jeu qui est lancé. Ouais, je sais, d'accord, j'ai League of Legends. Bon, ça c'est mon autre compte. Donc, je vous montre rapidement League. Bref, voilà. Donc League, là récemment, là j'ai joué quelques parties. De hier à aujourd'hui, je suis passé de Silver 5 à Silver 3 promotion pour le 2 que je vais gagner. Easy, oh la main. Ça va être, mais d'une facilité affligeante. Ouais, carry, c'est pas dur quand on a un niveau beaucoup plus élevé sur mon autre compte, bien sûr. C'est Lelo qui a là, il n'y a rien à voir avec ce comparé sur mon autre compte. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus puissant sur mon autre compte. Bref, je suis pas là pour vous parler de League of Legends aujourd'hui, les amis. Je suis là pour vous parler d'autre chose. Donc, pour ceux qui l'auraient remarqué, je fais plus trop de vidéos en ce moment. Eh ben c'est parce que justement il y a une raison à ça, une bonne et simple raison. La raison toute simple, c'est parce que on est en train d'aménager un nouveau site. Genesis a fusionné, on va dire, enfin pas fusionné plutôt, mais s'est pris dans un partenariat avec quelqu'un de nouveau. Et donc je suis chez, Genesis est chez une nouvelle team. Donc pour la chaîne YouTube, ça restera toujours Genesis Clan, mais à partir d'aujourd'hui, on sera Genesis Clan Blockchain de chez Explicit Gaming. Donc Explicit qui est un site qui va ouvrir normalement d'ici le 1er mai, jour de la fête du travail pour son lancement officiel. Connectez-vous et venez nombreux sur le site que je vais vous montrer. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Donc voici le site, hein. Donc, le site Explicit qu'on est en train de terminer là. Il est beau le site Explicit, il est tout neuf, il est tout beau. Avec tous ces petits jeux et tout son truc là, voilà, moi je suis admis dessus parce que ben, c'est moi qui gère aussi le site, hein. Donc là on a petit truc Explicit, le truc l'ami, machin, le forum, le truc, les jeux League of Legends, et je vais vous montrer quelque chose. Donc admettons maintenant je vais sur liste de jeux. C'est pas fini, vous inquiétez pas, mais on va vite finir ça. Là je vais sur League of Legends, là j'ai ma petite barre. L'onglet défi n'a pas encore été mis parce qu'on n'a pas fini les wars justement. Mais sinon là on a tous les trucs pour League of Legends, on a un truc sur le forum, on a un forum que vous pouvez aller voir. Là on a aussi ça. Allez, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer en fait. C'est que maintenant, à partir de maintenant, on va faire beaucoup de vidéos, mais nos vidéos seront sur Twitch. Et la League of Legends TV générale sera celle de. Ce sera la mienne, ce sera la Twitch TV générale de League of Legends. Ce sera la mienne qui tournera 24/24. Et on aura les autres streamers qui auront aussi leur stream, les streams de chez Explicit et les streamers indépendants. Parce qu'en vous inscrivant sur le site et en faisant votre demande à la Game Webmaster, bah, tout simplement vous aurez vous aurez le droit d'avoir votre propre stream. Et en ayant votre propre stream, bah, vous pourrez vous aussi streamer avec la bannière de l'Explicit. Vous aurez votre petite cul de tout, votre bande d'attente, nanani, nanana. Vous aurez votre place sur le TS et tout, parce que... En fait, je vous explique un truc. Tout ça, on n'a pas fait gratuitement, ça a coûté beaucoup d'argent et tout. Chacun a donné son petit bénéfice, voilà, on va dire ça comme ça, son petit compte. Et maintenant vous voyez on peut pas tout faire tout gratuit parce que sinon on rentabilisait rien du tout de tout ce qu'on a payé. Il y a un truc dans le prime, c'est que le prime coûte 15 euros par année. Si vous prenez l'abonnement prime directement à l'année, sinon c'est 5 euros par mois le prime. 5 euros en plus des 5 euros d'inscription pour créer votre page de stream et tout pour la visualiser par mot de passe. On fait tout ça pour 5 euros et en plus 5 euros par mois. Sinon, soit vous payez 15 euros tout de suite pour l'année, soit vous payez 5 euros par mois. Après, on a le TS. Si vous avez pris un stream, vous avez pris une demande de stream en même temps avec le TS, là vous n'aurez pas à payer le TS, sinon le TS c'est une somme symbolique de 1 euro par personne chaque mois ou bien 10 euros et le dernier mois est offert et le mois de Noël, donc le mois de Noël, donc le offert est une dizaine d'euros, c'est pas beaucoup pour le TS, que je vais vous montrer qui est d'ailleurs excellent le TS. Hein. Voilà notre TS, le TS spécial League of Legends. Allez, je vous montre. Connect channel switched.
Channel switched. La bannière, on va la changer, hein. C'est une bannière de test qu'on a fait pour voir qu'elle nous ramenait directement bien sur le site. Donc, voilà, pour voir qu'elle nous ramenait directement bien sur le site, comme je vous disais. Et voilà, pour voir si elle nous ramenait bien sur le site. La nouvelle bannière, ce sera ça. Voilà, ça c'est la nouvelle bannière du test. Après, faut savoir qu'on a d'autres TS, hein. Et ce TS là, il est assez sympa, TS League of Legends, avec l'image des Riven derrière, les petits trucs en gris et tout. Bah, voilà, l'image elle est plutôt sympa après du TS. Disconnected. On a aussi le TS général, mais ça c'est seulement le TS où il n'y a pas encore assez de gens pour faire un autre TS, sinon on a des TS sur chaque jeu. Attention, il n'y a pas que League of Legends, justement, regardez, je vais vous montrer, hein. La petite vidéo rapide. Donc là on a Left 4 Dead, on a BF4 où on joue en ESL, Titanfall où on joue en ESL, TS où on joue en ESL, et les plus anciens Call of où on joue en ESL aussi. On a des petits trips délire GTA San Andreas, on va mettre aussi du GTA 5 parce que c'est un truc qui s'appelle beaucoup de GTA 5. Il y aura peut-être une section PS3 aussi, PS3, Xbox, Xbox One, PS4, bref console quoi. Ça viendra avec le temps, pour l'instant c'est juste PC, spécialement du PC. Donc de toute façon, ceux qui regardent ma vidéo, c'est des gens généralement qui tournent sur League of Legends, donc vous êtes sur PC. Après, on a des jeux gratuits et on va rajouter quelques jeux comme Ion, Terra et tout, parce que c'est des jeux avec lesquels ça va avoir du monde quoi. En tout cas, les jeux là, il y a beaucoup de gens qui jouent. C'est ouvert de tout âge. Ça va de minimum, il faut avoir 16 ans. Faut avoir 16 ans pour venir parmi nous, faut avoir 16 ans, faut avoir un bon casque, un bon micro, ou un micro casque quoi, et il faut être mature, il faut pas être un rageux et tout, voilà quoi. Donc là il n'y a pas eu encore le lancement officiel, donc vous êtes les premiers à avoir le site tel qu'il est là, parce que après le lancement officiel il y aura beaucoup de gens qui vont venir. On va devoir même rajouter de la bande passante parce qu'il y a beaucoup d'invitations qui ont été faites, notamment sur les réseaux sociaux et tout. Il y a plus de 5000 invitations qui ont été faites sur chaque personne de la team. On est à peu près quand même une centaine de membres, donc 100 x 5000, ça fait quand même 500 000 invitations qui ont été lancées. Donc la bande passante elle va être saturée les premiers jours. Donc ce que je vous conseille de faire, ceux qui regardent ma vidéo pour avoir un avant-premier, c'est de vous inscrire sur le site et d'attendre son lancement officiel pour venir sur le forum, vous inscrire. Donc je vous montre rapidement le forum. Qui est encore en construction, on doit rajouter quelques petits trucs, voilà, sinon c'est ça, notre forum qui est intégré directement au site. Après, pour tout ce qui est règles et tout, vous irez là et je vais vous montrer le règlement, vous le regarderez, hein. C'est le règlement, c'est ça qu'il faudra. Donc déjà, ça c'est le majeur, ça. On interdit racisme, injures et homophobie. Les personnes qui respecteront pas ça, elles sont immédiatement bannies du site, du TS, du forum, par IP, et puis voilà, elles pourront plus venir dans nos groupes. Après, pour ce qui est des serveurs, on en a pas mal pour l'instant quand même. On a le serveur TeamSpeak Explicit Gaming 1, le Explicit Gaming 2 que je vous ai montré sur League of Legends. On a le serveur BF, on a le Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, un deuxième Left 4 Dead 2, ça c'est pour la coop et ça c'est pour le versus. On a l'Explicit Cracket Public GCG Stream, et ça c'est le stream Call of 4, encore un stream Call of 4, le CSGO, il y a un one user sur 22, du coup dessus, et on a le Team Fortress 2 aussi, qui est pas mal, hein. Là on va dire ça, après il y aura beaucoup de trucs, ça joue beaucoup en stratégie, donc venez pour n'importe quel jeu que ce soit, vous avez beaucoup à y apprendre. Le TS League of Legends, je vous recommande de venir, donc je vous rappelle les petits tarifs qu'il y a à payer pour le TS. Si vous voulez un stream, c'est 5€ le stream que vous prenez, ensuite c'est soit vous payez 15€ directement, soit vous payez 5€ par mois. Donc si vous prenez un stream, autant mieux payer directement 15€ par mois que payer chaque mois 20€. Parce que si vous payez seulement 15€ par mois, 15€ par dès que vous prenez le stream, ça vous revient à 20€ directement. Sinon, après sur la durée, ça revient vraiment cher. Le dernier mois est offert, certes, mais ça vous revient quand même à 60€ pour stream. Avec votre prix de tout.
tandis que si vous prenez maintenant, ça revient à 20 euros. On a déjà des demandes de stream, hein. Il y a déjà plus de 20 demandes de stream. Tout le monde a pris directement ce stream à 5 euros et 15 euros juste après. Et voilà quoi, c'est vraiment une offre qu'on fait. Et n'oubliez pas que le TS est offert pour les streamers. Et ceux qui veulent juste venir sur le TS pour discuter avec nous et tout, ce sera aussi une bonne. Je fais juste un petit lap, ce sera juste une bonne occasion de rencontrer les membres Genesis que vous avez toujours voulu voir, notamment comme AK, Complex, moi-même, hein, Smart, et encore beaucoup d'autres membres comme Syrax, Sinoc, etc., etc. Voilà, vous pouvez nous voir, vous pouvez avoir d'autres joueurs d'exception de League of Legends. Ah, par contre, pour ceux qui veulent venir sur League of Legends, je vous préviens déjà, le niveau qu'on atteint, c'est 30, minimum 400 victoires. C'est pour jouer avec nous, hein. Et silver au moins, parce que dans notre team les bronzes ne sont pas pris, et désolé pour vous les bronzes, hein, peut-être vous êtes des bons joueurs mais vous êtes trop lourds, et j'ai une certaine image qu'on a regardé, ouais, donc je suis désolé, c'est pas moi qui fixe les règles, sinon je vous aurais tout pris, ouais, je suis gentil moi. Donc on a, ça va de silver à diamant, on a beaucoup de diamants qui jouent avec nous, de plate, etc. Normalement il y a bientôt une possibilité de challenger qui vient. Peut-être des challengers français reconnus dans League of Legends qui viendront. Donc vous pouvez faire la connaissance dans une salle privée room qu'on leur prend spécialement pour leur venue. On réservera des places sur le TS, ceux qui voudront réserver à l'avance. Après pour les places réservées, c'est qu'ils vont sûr d'être là et qu'ils vont voir le challenger et qu'ils viendront. Il faudra réserver vos places, pour une réserve de place gratuit, hein, logiquement. Et puis voilà, bah, je pense que je vous ai un peu discuté de League of Legends. Donc il y a une page Facebook et un Twitter à follow, vous les verrez quand vous irez sur le site, vous irez vous balader. Ça forme l'invitation de se lancer, donc si ça vous intéresse, venez vous inscrire à parce qu'après il y aura une validation par email, mais pour l'instant les validations seront à la main. Donc c'est nous-mêmes qui validons sur l'admin panel. Vous validez, je validerai tout le monde de la part du génétique, hein. Je vous validerai tout. Vous venez comme vous êtes, vous donnez votre pseudo que vous avez mis sur le site dans les commentaires de la vidéo, et je validerai vos inscriptions. Et ensuite, vous pourrez venir, vous pourrez même rencontrer les gens qui jouent à d'autres jeux, rentrer dans des teams, parce qu'il y aura beaucoup de line-up, beaucoup de teams, il y aura des pièces, ça va être un carton, ça va vraiment être génial. Et donc voilà, donc, je pense vous avoir un petit peu de vous avoir montré le petit. Donc voilà, donc j'ai fait tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, pour ceux qui aiment bien les couleurs, sur le home, j'ai envie de la couleur de la. Donc voilà, je pense que ça peut vous avoir. Ne venez surtout pas sur le PS, je pense d'avoir été invité. Enfin, venez, mais restez dans le chat et ne quittez pas tant qu'il n'y a pas un admin que je vous vois. Si vous venez sur celui-là, c'est le PS de LOL. Donc, si vous venez dessus, ben, je vous accueillerai moi-même. Hein. Je vous accueillerai moi-même et si vous venez ben, sur un autre, venez sur celui-là, ne bougez pas avant d'un admin bien parce que je vous instable. Tant qu'il n'y a pas eu de lancement encore. C'est vraiment. Waouh! Faites attention, c'est vraiment l'instable. Parce que pour l'instant, il y a juste des membres de certains joueurs de jeu. Mais si vous voulez seulement jouer à League of Legends, vous venez, je vous accueille tranquille sur le TS. Pour l'instant, les joueurs de League of Legends, il n'y a pas tout le monde qui sont connectés, mais sinon, les teams, tout est blindé. Et à partir du premier, ben, le team sera tout le temps blindé, donc on va se connecter le matin. Et si vous venez, je vous validerai, je mettrai votre compte, je mettrai votre serveur, etc. Si vous voulez créer une team, justement, j'allais vous dire à ça, si vous voulez créer une team, il y a aussi un truc de recrutement, si vous voulez créer une team, donc la team, en fait la team, c'est ça un peu l'arnaque, on va dire, parce que la team elle est gratuite. Si vous voulez créer une team, c'est gratuit. Mais chaque team est obligé d'avoir un stream. Elle est obligée, chaque team est obligé d'avoir un stream. Parce que les streamers de chez Explicit doivent constamment streamer leur partie.
Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes vos parties, mais juste pour faire au moins un stream par jour. C'est une obligation pour faire une mission critique. Et donc, vous savez, les streams sont payés aux streams, etc., etc. Et voilà. Ça, c'est si vous voulez créer une team. Sinon, après, pour venir sur OBS, c'est 10€ toute l'année et c'est let's go to the fun. Et en même temps, si vous contribuez avec les 10€ en venant, pour l'année, bien sûr, si vous contribuez, on augmentera les places, vous pouvez ramener vos amis et tout, etc., etc. Et espérons que ça grandisse, que le génie puisse s'associer avec la team et tout le monde. Plus de fun, les amis, de League of Legends, vive League of Legends et vive tous les autres jeux, RPG et toute l'histoire. Et pour tous ceux qui aiment RPG, etc., etc., MMORPG, ramenez-les sur le site qu'il y a dans la description de la vidéo et je suis sûr que ça ne sera pas déçu. Merci, c'est Kurzuma, Kurzuma. A plus, les amis.